Aujourd'hui, je vais faire une grosse sortie longue. Bon, petite pause là. Même pas des petits pas de côté. Franchement, là, difficile. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu tranquille, vlog, immersion. On verra bien comment ça va se passer. Aujourd'hui, je vais faire une grosse sortie longue. Genre, vraiment, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait autant. Je sais même pas si j'ai déjà fait plus. Non, je crois que j'ai jamais fait plus. On est en pleine construction un peu de la base d'endurance et tout. Ça veut dire faire beaucoup de kilomètres, essayer de magasiner de l'endurance sans faire de l'intensité. Et du coup, bah, aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans cette endurance. En fait, on est à Annecy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a le lac d'Annecy. C'est incroyable, je suis en vacances avec Alice et tout. Et du coup, là, hier, j'ai quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui est trop sympa, qui m'a dit, ouais, si tu veux, je t'accompagne en vélo et tout. Et je lui dis, bah, vas-y, si t'es chaud aussi, on fait une vidéo YouTube. Et vas-y, bah, normalement, il me filmera. Et, voilà, on va aller à sa rencontre et je vais vous emmener avec moi pendant toute cette sortie longue et voir comment je réagis. Parce que, wow, 25 km, ça se fait pas comme ça. Donc, on verra bien. J'espère que je pourrai les finir et les finir bien. Et du coup, on va en profiter. Là, le cadre, il est incroyable. On est, comme je l'ai dit, à Annecy. Franchement, la ville, elle est trop, trop belle. Et ça va partir pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera toujours grave, grave, grave plaisir. Likez, commentez ce que vous pensez de la vidéo. Ça aussi, c'est trop cool. Et voilà, bon visionnage à vous. C'est parti les refs. Là, on va mettre les chaussures et on part. Bon, c'est parti du coup. Aujourd'hui, là, je vais partir avec celle-ci. C'est des nouvelles Puma. Ça s'appelle des... Attends, ça s'appelle comment déjà? Purée, j'ai déjà oublié. Les Manify. Manify 2. Sont vraiment très cool et je pense qu'elles vont tenir la route là pour 25 km là, ça va être cool. Oui, 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 c'est bon, c'est parti, là, on va partir. Purée, je suis en retard. C'est moi, j'ai donné rendez-vous à la personne et purée, mais ça va partir. Là, du coup, j'ai pris mon tel pour filmer et j'ai aussi pris une boisson d'effort un peu avec des électrolytes, de la vitamine C et tout parce que là, il fait chaud. Et je vais faire une sortie longue, donc je vais essayer d'un peu de m'hydrater pendant et tout. Je pense que ça peut être cool. Le voilà, le frérot. Il est trop bon, il est trop bon. Ça va quoi? Salut toi. Ouais, hop, là, on va partir. Du coup, pour un 25 km, j'espère. Avec mon frérot Joris là. Donc, moi, je sais pas si. Moi, je sais pas si tu me suivais d'autres trucs, mais moi, je me souviens juste. Enfin, la première fois où je me souviens de toi, sur mes lives TikTok, non? Ouais, j'étais de ouf. Ouais. C'était surtout. Et du coup, vraiment trop bienveillant là de venir. Hier, ils m'envoient un message. Ouais. Et en mode la night. Du coup, ils m'envoient un message. Je dis, ouais, je suis sur Annecy et tout. Bah vas-y, j'ai une grosse sortie longue demain, viens. Il a pas hésité, il est venu direct. Mon frérot, vraiment. Pause là, même pas 30 secondes pour boire et repartir. On est à un peu plus de 10 km. Je sais pas en combien de moyenne, mais ça va, ça roule tranquille. Ouais,
Ouais, ça rend trop bien là. Le 20e vient de sonner. On est à... On va combien ? 5e. Vraiment, ça devient un peu plus dur. Je sens de la fatigue, des petits points de nez. Et les jambes elles commencent à s'alourdir. En tout cas, on continue. Et aussi, le soleil qui se lève vraiment haut. Ça va faire plus chaud. Là, ça va enlever le t-shirt, je pense. Bon, on continue. Pas le frère aujourd'hui, là, j'aurais pu t'arrêter, mais là je dois représenter. Continuer, travailler sans relâchement, et après ça on ira se prendre un coca, ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qui fait chaud? Ah ouais, là. Ça fait du bien. Ah. Wow. Ah non, mais en vrai, ça c'est assez vite. Vraiment, ouais, c'était dur à la fin. Mais vraiment, on dirait pas qu'on a fait plus d'une heure 40 là. Mais heureusement, on a repos cet après-midi. Hein, parce que là, je suis mort. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Du coup, 25 km, 1:41.05, 4:02 de moyenne. Que demande le peuple de plus? Vraiment. Bon, on va se prendre un coca là, viens. Oh là là, Kelby, petit coca, léger. Ça c'est l'histoire, c'était qui racontait ça? C'était Mofara. Après, c'est longue sortie et tout. Bah, il prenait toujours un coca ou un Fanta au Kenya. Et du coup, quand il fait vraiment chaud et quand j'ai fait une longue sortie, j'essaye de tout le temps me faire plaisir avec une bonne boisson bien sucrée et tout, ça fait du bien. Là, on est posé vers le lac, trop stylé. Je vais peut-être un peu nager après. Et bon là, la journée, elle est belle. Ah là là. Bon, du coup, là, c'est la fin de cette vidéo-là. Là, je sais pas si vous avez remarqué. Je pense que vous l'avez pas remarqué. Mais je suis plus à Annecy, mais plutôt à Foromeux. Et je finis cette vidéo-là ici à Foromeux, mais aussi pour vous prévenir des prochaines vidéos qui vont avoir lieu à Foromeux. Je vais vous emmener un peu dans des entraînements et tout. Je pense que ça peut être très sympa, genre une journée dans ma vie pendant le stage et tout. Dites-moi dans les commentaires un peu, donnez-moi des idées, des trucs comme ça que vous voulez voir sur la chaîne, ça me fera grave plaisir. Et ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours grave plaisir. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos comme je viens de le dire. Et vas-y, prenez bien soin de vous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Et vas-y, à la prochaine, c'était Moose Forms Live.